Bonjour à toutes et à tous, c'est Philippe Guilloire de Trek Eco Survie Aventure. Nous sommes encore en hiver, nous sommes début février et je voudrais aujourd'hui vous emmener avec moi pour découvrir une plante que beaucoup de personnes connaissent peut-être, mais peut-être pas sous l'aspect avec lequel je vais vous le présenter. Il s'agit du chardon-marie. Le chardon-marie est une plante qui est très connue, surtout pour ses graines, dans l'utilisation de la protection du foie, mais assez peu de gens savent que c'est une plante de survie qui est complète. Je voudrais vous montrer quelques pieds qui sont ici. Approchez-vous, nous allons essayer de voir ce qu'on peut faire avec cette plante, mais d'abord, observons-la de près. Cette variété de chardon-marie est une variété dont les feuilles sont relativement larges, voyez-vous, avec des épines sur les bords. Tant que la plante est jeune, les épines ne sont pas trop dures sur les bords, ce qui fait qu'on peut encore les manipuler. Dès que la plante va devenir un peu plus grande, les épines vont durcir et il sera plus possible de les manipuler sans mettre des gants. Je vais donc mettre des gants dès tout de suite. Ce sont des feuilles, comme vous pouvez le constater, qui sont assez grandes et qui sont assez larges. Elles sont toutes tachetées de blanc, vous voyez, dans tous les sens, par rapport à la nervure centrale. Cette plante possède de très nombreuses propriétés. Et pourquoi est-elle complète? Elle est complète parce que non seulement elle soigne, puisque ça c'est ce que nous connaissons tous, mais elle est comestible des pieds à la tête. Voyons ensemble, si vous le voulez bien, comment cette plante est intéressante sur le plan nutritionnel. Il y a, si vous voulez vous approcher, dans la composition de cette plante et dans sa construction, de grandes nervures centrales ici qui composent les feuilles, voyez-vous. Ces nervures centrales ressemblent à un autre légume sauvage que vous connaissez peut-être qui s'appelle la blette, dont on mange évidemment les cardes. Eh bien, sur les chardons-marie, cette partie-là se consomme cuite et elle est vraiment excellente. Les feuilles, telles qu'elles sont, je vais en prendre une d'ailleurs. Voilà, voilà la feuille. Et voyez la nervure centrale, puisque je vous parlais de la nervure centrale. Elle est très importante et elle représente à elle toute seule un légume à part entière. Je vous montrerai tout à l'heure, mais au sec, puisque là le temps n'est pas trop bon, je vous montrerai tout à l'heure au sec comment on les prépare et comment on les mange. Par contre, la feuille en tant que telle, donc le limbe de la feuille, cette partie-là, se mange aussi bien cru que cuit. Évidemment, vous l'avez compris, il faut d'abord au préalable enlever les piquants qui sont tout autour. C'est ce que nous allons faire. Beaucoup de feuilles de plantes sauvages, vous le savez maintenant que vous me suivez depuis un certain temps, beaucoup de feuilles de plantes sauvages sont amères. Mais les chardons-marie ne le sont pas. Lorsqu'on mange la feuille crue, je vais enlever les épines. La plante a un goût qui est très très peu amer et qui est excellente. Quand cette plante est jeune, là c'est encore le cas, on peut utiliser les feuilles en salade en prenant bien soin évidemment d'enlever toutes les épines. Vous les découpez avec une paire de ciseaux et ça vous fait une salade qui est très très bonne. Ça a un petit goût de chou si vous voulez savoir exactement. Donc si vous aimez le chou, vous serez satisfait d'y goûter. En attendant, je vais ramasser quelques feuilles. Et tout à l'heure, on va les préparer ensemble pour voir ce qu'on peut faire.
Le chardon-marie démarre sa croissance dans le sud de la France à partir du mois de mars. On ne le trouve pratiquement pas au nord de celle-ci. Dans les pays du sud de l'Europe, le chardon-marie peut démarrer sa croissance dès le mois de janvier. On reconnaît cette plante grâce aux marbrures blanches qui dessinent ses feuilles. Ces feuilles qui sont très nombreuses, qui peuvent devenir très grandes et qui sont parsemées d'épines sur la périphérie. Elles démarrent sur une nervure centrale très grande. Regardez la beauté de ces feuilles. À propos de ces feuilles, la légende nous dit que le chardon-marie fut taché de blanc par le lait de la Vierge lorsqu'elle allaitait Jésus au moment de sa fuite en Égypte. De nombreuses populations, depuis, ont consommé ces feuilles comme ses nervures centrales en tant qu'alimentation. Maintenant, elle sert beaucoup plus à nourrir le bétail. Je vous ai dit tout à l'heure que cette plante était complète. Elle est vraiment complète parce que c'est une plante qui, non seulement est comestible des pieds à la tête, mais elle a aussi des capacités à soigner l'organisme qui sont très importantes. Et ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que on sait que ce sont surtout les graines qui contiennent les substances qui permettent de protéger le foie, mais ces substances existent aussi dans les feuilles comme dans les racines. Autrement dit, lorsque nous allons la consommer en survie ou même si on veut les consommer tous les jours, on absorbe de ces substances qui sont hépatoprotectrices. Après avoir déterré mon spécimen, j'ai pas pris un trop gros parce que l'un dans l'autre je vais avoir suffisamment là. J'ai nettoyé et pelé légèrement la racine. Vous voyez, c'est une racine qui est filante. Je vais la manger parce qu'elle peut se manger crue, elle peut se manger cuite, mais il n'y en a pas beaucoup, donc là je vais la manger crue puisque j'ai assez d'écart pour pouvoir me faire un petit plat. Cette racine, comme toutes les racines, elle est très légèrement fibreuse, mais par contre, elle est très bonne. Elle a le goût, comment dirais-je, d'un petit peu de navet, mais moins amer. Ça ressemble plutôt au cœur du chou-fleur, pour ceux qui ont l'habitude d'en manger. Très très bon, hein, vraiment. Il est évident que quand vous mangez des racines crues, c'est là où vous pouvez assimiler le maximum du potentiel de la racine. Très très bon. Comme le chardon-marie pousse souvent dans les éboulis, les décombres, les remblais, la racine s'enfonce assez profondément. Par la suite, lorsque la plante se met à croître, elle émet des tiges qui forment ensuite des capitules violettes. Ce sont des fleurs épineuses qui sont vraiment superbes à regarder. Les populations utilisent depuis fort longtemps les propriétés de cette plante contre les hémorragies et pour régénérer le foie de ceux qui sont malades. Cette plante, qui peut grandir jusqu'à plus de 2 mètres de hauteur, laisse des tiges séchées dans le ciel sur lesquelles les anciennes fleurs ressemblent à des soleils éteints. Les chardons-marie présentent un grand intérêt sur le plan nutritionnel parce qu'on peut très facilement récupérer la nervure centrale des feuilles ainsi que les feuilles. Car les deux fournissent un aliment de très bonne qualité. En plus, c'est très facile pour les ramasser. Voilà, j'ai fait mon marché, ça a pris moins d'1 minute. Je vais vous montrer maintenant comment on prépare ces feuilles.
de telle sorte qu'on puisse les cuisiner en toute facilité. Une chose particulière que je tiens à souligner, c'est que à l'heure actuelle, il reste encore des gens, les gens malheureusement très pauvres, qui continuent de consommer ces plantes. Ces gens ont l'habitude de les ramasser pour les manger, mais aussi ils les donnent à manger à leurs animaux maintenant. Ce qui prouve que nous avons lâché des habitudes naturelles pour des habitudes qui nous facilitent peut-être, mais en même temps qui nous détournent d'une alimentation qui est faite pour nous. Je vais vous montrer comment on prépare les feuilles. C'est assez simple en fait. On prend la feuille par la nervure centrale et on enlève la bordure sur laquelle se situent toutes les épines et les premières feuilles. Vous voyez, c'est pas difficile. Voilà. Arrivé à ce stade, je peux décider soit de la couper et de l'utiliser tel que en légumes. Si je veux utiliser les feuilles, il faut que je prenne les plus grandes feuilles et que j'enlève toutes les pointes qui sont autour. C'est un petit peu plus de travail, mais c'est intéressant parce que la feuille a un goût un petit peu de chou qui est excellent soit à mettre dans la soupe, soit à mettre avec d'autres légumes comme les panais sauvages, les carottes ou les pommes de terre. Après avoir ramassé des racines, je les nettoie, je les brosse, je les lave. J'ai ramassé aussi des feuilles dont j'ai enlevé la nervure centrale, je les ai préparées. Je mets tout cela dans une casserole, les feuilles dont j'ai enlevé les épines évidemment, les nervures centrales et les racines. Je laisse bouillir un bon petit moment. Voilà, j'ai fait cuire toutes les parties de la plante, du chardon-marie. J'ai fait cuire les nervures centrales, les feuilles et les racines. Nous allons les manger ensemble. Enfin, moi j'en ai déjà mangé, je sais que ça se mange, que c'est très bon. J'ai mis un peu de beurre, un peu de sel. Pour ce qui vous concerne, si vous voulez les arranger autrement, faites comme vous le souhaitez. Sachez que les nervures centrales, en l'occurrence, s'utilisent comme n'importe quel légume dans n'importe quel plat. C'est très tendre et je peux dire vraiment que c'est très très bon. Je les ai fait cuire environ 3 quarts d'heure. J'ai fait cuire l'ensemble 3 quarts d'heure. On va goûter aussi les feuilles. Alors, contrairement à ce que certains disent, manger du chardon-marie, c'est absolument pas amer. Il y a toujours une petite amertume derrière, mais qui est vraiment très légère, d'autant que lorsque vous préparez un plat, une soupe, n'importe quoi, cette amertume disparaît totalement. Les feuilles, j'ai enlevé les épines, évidemment, pour les manger tout autour. Ces feuilles sont excellentes, elles sont sur le plan nutritif très importantes. Pourquoi ? Parce que c'est elles qui concentrent la majorité des vitamines grâce au soleil. Donc évidemment, les vitamines du groupe A en l'occurrence. J'ai fait cuire quelques racines pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire. Mais sachez que pour les racines, il faut choisir des plantes relativement jeunes pour pas que les racines soient trop importantes et trop dures. Lorsqu'elles sont jeunes, vous pouvez consommer à peu près toutes les racines. Mais vous verrez que très rapidement, elles se durcissent à l'intérieur, elles forment des fibres, et ça ne les rend pas toujours consommables. Par contre, dans la soupe, elles donnent du goût. Celles que j'ai ramassées, par contre, elles sont jeunes. Elle se mange très très bien. Avec du beurre et du sel, tout simplement, c'est excellent.
J'espère que vous pourrez faire comme moi, que vous pourrez profiter des plantes sauvages de la nature en étant conscient que ce sont essentiellement ces plantes que la nature nous a données. C'est à nous de comprendre et d'essayer de nous nourrir le plus possible avec celles-ci. J'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera envie de goûter cet aliment de survie qu'est le chardon-marie. Allez, au revoir à toutes et à tous et à bientôt dans une prochaine vidéo.